Bonjour à tous, nouvelle vidéo en extérieur. Comme vous voyez, il fait très beau. On se retrouve avec un panier, puisqu'on va aller looter nos ressources dans la nature aujourd'hui et tenter une nouvelle expérience de survie, cuire sa nourriture sans rien avec des feuilles. Sachez que ça existe depuis toujours dans certains pays, notamment, je vous montre quelques photos avec des feuilles de bananier. Feuilles qui vont être du coup très dures à trouver dans les Alpes. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une plante comestible qui fera peut-être totalement l'affaire. C'est pour ça que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Allez, c'est parti, on va looter. Oh. Bonjour. Alors ça c'était pas du tout prévu hein, dans la vidéo, mais on l'a eu. Et c'est bon, on a une barquette de poulet sauvage. Ah, les protéines sont assurées. Bon, je vais aller me changer, on se retrouve tout de suite hein. Ça fait chier, le pantalon est neuf. Trop de muscles dans les cuisses. Olé! Et voilà! On va commencer par chercher notre première ressource qui vient du jardin, puisque la cuisson sur feuille en fait c'est un peu une cuisson en papillote. J'ai quelques petits ingrédients sympas et après on va complémenter ça bien sûr de feuilles sauvages, de légumes sauvages, vous allez voir. Voilà, on va commencer du coup par une petite courgette, j'ai une super variété, regardez. Variété les amis, courgette bolognaise. Hop! Regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est énorme, très productive. Au panier. On va maintenant aller chercher notre feuille magique. Vous allez voir, c'est une plante que tout survivant doit connaître. Elle est entièrement comestible et on peut même l'utiliser pour filtrer de l'eau. Il y a des orties. Voici les amis notre plante qui va remplacer du coup nos feuilles de bananier. C'est la seule plante on va dire la plus grosse, comestible, très large, très facile à reconnaître qu'on trouve dans les Alpes. Il s'agit bien sûr, regardez-moi ça comme c'est magnifique, de la grande bardane. Alors il y a la petite bardane et la grande bardane. On en parle beaucoup sur cette plante, ça fait longtemps que je veux la tester pour tout. Sachez que si vous voulez l'identifier, que vous ne connaissez rien du tout, on trouve des graines puisque c'était un légume ancien qui était cultivé, très apprécié des rois de France puisque la racine se mange, c'est un peu comme une pomme de terre mais quand elle est jeune. On va en prendre aussi parce que sinon on dirait du bois. Et cette feuille permet de faire des cataplasmes anti-brûlure puisque ça s'enroule facilement, des bandages. C'est aussi une plante médicinale aux mille vertus et je me mets à l'ombre. Le problème qu'on va avoir pour une cuisson avec des feuilles sans rien par rapport à la feuille de bananier, c'est que la feuille est beaucoup moins épaisse quand même que la feuille de banane, donc on va devoir en mettre plusieurs couches et l'humidifier. Et le gros problème, regardez, c'est qu'il y a des trous partout. Sachez-le, c'est une plante avec laquelle on peut rendre de l'eau potable en la faisant bouillir et en la suspendant sur le feu. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, donc abonnez-vous si vous voulez la voir. Voilà, ça fait très longtemps que je veux tester tout ça. Voici ce que donne la plante hein. Vue du haut, quand elle a les bourgeons, ça fait des sortes de fleurs, regardez, très collantes. C'est très facile à reconnaître. Là, je peux vous le montrer puisqu'on est à la bonne période. Qui fait de magnifiques petites fleurs violettes collantes. Allez, on va en ramasser pas mal du coup pour avoir de quoi faire en feuille. Puisqu'on va tester deux cuissons, une cuisson directement sur les braises et une cuisson à l'étouffer. Voilà, beau bouquet, j'espère qu'on en aura assez. On passe aux autres ingrédients. Alors, j'ai de la menthe, mais le poulet à la menthe, bon, c'est pas trop mon kiff. Je préfère qu'on mette de la sauge, mais en tout cas il y en a partout de la menthe. On va prendre du coup quelques feuilles de sauge, hop, pour bien parfumer. De toute façon la feuille de bardane à mon avis elle va parfumer toute la bouffe. Hop, on va agrémenter tout ça du coup de carottes sauvages. Alors je vais vous montrer un truc, parce que vous savez qu'elle peut être confondue avec une plante mortelle qui est la grande ciguée. Et la ciguée, il y a eu malheureusement d'ailleurs un accident, il me semble, l'année dernière, ce qui est très triste, par des gens qui donnent des stages de survie, vous savez qu'il n'y a pas de diplôme officiel et qui en fait ils connaissent rien. Je vous montre un truc très con, regardez, quand on retourne la fleur de carotte, elle a une collerette ici, puis, ouais, bon je ne l'ai pas eu mais le test ultime, vous la prenez. Là, ça doit sentir absolument la carotte. Faut savoir que l'odeur, même si on peut l'avoir au niveau des fleurs, c'est vraiment au niveau de la racine qu'elle est puissante. Vous goûtez sans avaler, ça a un goût de carotte. C'est au final très simple, si vous vous trompez, moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie de me tromper, vous crachez, vous rincez la bouche et vous avez rien. Puisque la plante qui est mortelle, la ciguée, quand vous la froissez, elle va avoir une odeur d'urine de rat. Donc vous le sentez tout de suite, c'est pour ça que c'est un aliment en situation de survie que je vous conseille absolument pas de faire cuire. Si vous vous trompez et qu'en plus vous faites cuire, plutôt que de les manger une par une, vous n'allez pas voir en fait. Au milieu de carottes mélangées, ça peut passer inaperçu. Alors qu'en les goûtant une par une, c'est impossible de se tromper. Alors prenons cette fleur, regardez, ce n'est pas la même plante, pourtant on pourrait la confondre. Quand on la retourne, regardez, il n'y a pas de collerette. Parce que je vous dis ça, parce qu'il n'y a pas que la ciguée qui ressemble, il y en a plein d'autres. Il y en a certaines, il me semble aussi, qui sont comestibles. Moi, le seul truc que j'ai appris à reconnaître, c'est les carottes, c'est facile. Vous voyez aussi qu'au niveau des feuilles, ils ne sont pas les mêmes, mais quelqu'un qui n'y connaît rien verrait pas forcément la différence. Donc le goût, c'est vraiment important au niveau des plantes sauvages. Allez, du coup, on va ramasser quelques jeunes carottes parce que les vieilles, elles sont un peu dures, c'est pas très bon. Alors, la racine est très chiante à sortir, elles sont très profondes. Ah, voilà, on a une belle. Et voilà. Et voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. On a des légumes, des vitamines, des protéines, il nous manque juste les féculents. Pour ça, on va taper du coup dans la racine de bardane. Le truc chiant, c'est que la racine, elle est très profonde et elle casse facilement pour sa survie. Alors, c'est des légumes qu'on a déjà vus hein, plein de fois sur la chaîne, mais je préfère aller dans ce que je connais. J'ai pas eu trop le temps, je vous avoue que c'est pas évident de de découvrir de nouvelles plantes, de les tester. Ça prend beaucoup de temps quand on est tout seul. Il faut beaucoup se renseigner. Les livres, ça suffit pas. Moi, ça me suffit. Si je me perds dans la nature, j'ai un problème pendant 2-3 jours. J'aurai des trucs dans l'estomac pour tenir. C'est bon, je l'ai. Là, voilà. Alors, il n'y a pas grand chose, hein, mais ça fait un petit truc en plus. Et voilà, 2 racines pour les 2 plats. C'est parti, à table. Et j'ai oublié le bois, bien sûr. La dernière ressource. Et après, on a la recette complète, comme dans les jeux. Je vous dis ça parce que cet été, pour moi, c'était l'été MMO, RPG. Et genre, c'est comme quand on doit looter les ingrédients pour faire la recette. En alternative, si vous n'avez pas de bardane, il y a ceci. Si vous avez un jardin, vous pouvez tester avec les feuilles de courgettes. C'est exactement la même épaisseur au niveau de la feuille que la bardane. Par contre, c'est un peu poilu. Allez, on y va. Alors, j'ai tout lavé. Ce qu'on va faire déjà, première chose, juste avant de faire le feu, on va les laisser bien tremper pour qu'elles soient bien humides pendant 15 minutes. Hop. Dans la nature, hein, vous prenez une flaque d'eau. S'il y a des parasites, c'est pas grave, on va les manger. Ce sera cuit. Allez, c'est parti, on va bientôt manger. Plus qu'à attendre que ça fasse des braises, et puis on va préparer le repas juste avant. Allez, 15 minutes plus tard, c'est bon, c'est bien parti. Ce qu'on va faire, on va récupérer le charbon, ce qui nous reste de ce qu'on avait fabriqué dans une autre vidéo. Hop, hop, hop. Je vous le dis pas à chaque fois, mais vous, vous doutez que c'est sécurisé. J'ai l'arrosage à 1 mètre. Allez, pendant que ça braise, on va préparer nos papillotes. On va prendre une belle feuille longue. Hop, j'en ai une là et une autre ici. On va les disposer. Alors je vais peut-être mettre, je vais mettre une double couche parce qu'elles sont pas mal trouées. Je connais pas l'épaisseur des feuilles de bananier, c'est pour ça, c'est un peu le problème. Donc est-ce qu'on en met 2 ou 3? On va en mettre 3. Le poulet sauvage en barquette, on va le disposer au centre des feuilles. Hop, ou alors comme ça. Putain, dans quel sens? Comme ça, c'est mieux. Hop, la courgette. Merde. Hop, comme neuve. On va les répartir. Alors dessus ou dessous? Courgette dessus ou dessous le poulet. On va la mettre à côté. C'est toujours un dilemme pour moi, c'est comme mettre un tableau droit dans la maison. Oula, il y a de la terre. Hop, toute propre. Un peu de racines de carottes, la bardane, la sauge pour parfumer et une fleur de carotte. Un petit peu de sel. Hop. Regardez-moi ça, c'est magnifique quand même. Le problème, ça va être le pliage. Vous savez que je suis pas très doué dans tout ce qui est nœud. On va y arriver. On va déjà mettre une double épaisseur sur le dessus. Alors, avec la feuille de banane, c'est plus pratique. Alors... je vais utiliser un pic à brochette, je ne sais pas si ça va marcher. Et ben on est pas mal en fait, hein, regardez. Hop. Prenez un bout de bois si vous êtes dans la nature. Ah, ça tient pas, faudrait une pince à linge. Pourquoi ça marche avec les feuilles de banane et pas avec mes pics? Bon, c'est moche, mais ça tient. J'espère que les pics vont pas brûler. Allez, je fais le deuxième et on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Allez, on y va, je crève de chaud, j'ai faim, je vais faire un peu de place. On va prendre du coup un côté où on va faire cuire directement à la braise et un autre côté, ah c'est chaud, plus cendré qu'on va recouvrir de terre. C'est les deux méthodes. Allez, le premier, j'espère que ça va marcher. Et le deuxième, on va mettre comme ça dessus. Que je vais du coup recouvrir de terre. Ça va faire une sorte de four. À chaque fois que je vois des reportages sur ça, j'ai toujours eu envie de le faire. Mais on n'a pas de feuilles de bananier. On va avoir théoriquement la cuisson classique, c'est 20 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Comme j'ai jamais vu personne le faire en Europe avec des feuilles de bardane, si ça marche pas, je prends les devants. C'est que soit j'ai mis trop de feuilles et c'est trop épais, mais je voulais pas que ça brûle, et que du coup ça chauffe pas assez. Technique alternative, on l'avait déjà vu quand on avait fait du poisson dans la boue. Vous faites votre papillote et vous la recouvrez entièrement de boue. Et vous jetez ça dans un feu avec une grosse flamme. Ça fera une croûte solide et ça va cuire à l'intérieur. Voilà, comme on avait fait avec le poisson, on aurait dû mettre des feuilles parce qu'on a perdu quand même de la viande qui s'était incrustée à la boue. Vous savez, la peau était restée collée. Et avec des feuilles de bardane, ça marche d'enfer, je pense. Là, pour l'instant, ça cuit tranquille. Très lentement, regardez dessous, la feuille n'est pas brûlée, c'est plutôt pas mal, on va voir. Alors on se retrouve 10 minutes plus tard, je me rends compte que ça chauffe pas énormément, donc ce qu'on va faire, on va appuyer le truc parce que comme la feuille est humide, elle était peut-être trop humide pour la braise, mais pourtant c'est toujours chaud dessous. On va attendre. On se retrouve 20 minutes plus tard, hein, j'ai laissé bien longtemps, on va regarder, vous allez voir. Alors, on a un problème, quoique c'est bien chaud, mais pas assez pour moi, c'est que la plante étant fraîche, on l'a humidifiée et j'ai l'impression que ça a un peu éteint. Waouh, quoique c'est quand même bien brûlant en fait. Putain, je sais pas si c'est cuit, si je l'ouvre, j'ai peur de pas pouvoir la refermer. Bon, on va regarder. Essayez de regarder légèrement sans déchirer les feuilles. Je pensais que c'était pas cuit, donc j'allais refaire un feu pour mettre des braises sur le dessus. Putain, elle est où ma viande? J'ai perdu mon poulet. Ah non, c'est pas du tout cuit, regardez. Ça a cuit un petit peu par contre, mais pas du tout. Bon, règle numéro 1 de survie, ne jamais se laisser abattre. On va faire un truc qui est très simple, il faut comprendre pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'on a humidifié la feuille et je pense que sur les feuilles de banane, peut-être on humidifie celles qui sont sèches et pas celles qui sont fraîches. Du coup, c'était trop mouillé et ça a un peu éteint les braises, ça a pas assez chauffé et on a trop d'épaisseur en plus, je pense. Donc on va faire un énorme feu, on va tout balancer dedans. Non, je rigole, mais on va recouvrir de braises, je pense que ça va marcher. Allez, on va mettre ça ici, l'autre on verra après si je peux le sauver. Hop. Allez, c'est bien chaud, on va faire un essai. Si ça crame, on aura le deuxième. Au pire, on fera autrement. Allez, on va le disposer directement sur la flamme. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va attendre 10 minutes, on va voir ce que ça donne. Du coup, quand ça sent le poulet, théoriquement, on est bon. Alors, je crois qu'on est en train de perdre une brochette. On va regarder dessous quand même, histoire qu'on retrouve notre poulet. Attention. Alors c'est rien Marie à l'eau, ok. Regardez, ça n'a pas cramé à l'intérieur. On est pas mal en fait, avec une triple épaisseur directement sur les flammes. On va laisser un petit peu encore et on attend. Allez, je vous laisse avec le feu, je vais aller faire quelques roulades. Alors on est bien, la feuille même du dessus est brûlante. Vous voyez qu'il faut persévérer. Je pense qu'on va avoir un très très bon repas. Et même l'intérieur commence à être brûlant. Allez, on va le sortir, on va regarder si c'est cuit. Putain, je suis toujours dans la fumée. Oh. Regardez, je change. Elle change de sens, c'est un truc de fou. Allez, on va le décaler et on va l'ouvrir légèrement. Allez, j'espère qu'on est bon. On va regarder dedans. Alors j'avais fait un petit trou. Waouh. Alors le poulet a commencé à cuire comme vous voyez. Est-ce qu'à l'intérieur c'est bien cuit? Je vais mettre un coup de couteau. Ah, encore un petit peu, je pense que ça manque un tout petit peu de cuisson. Mais ah ben c'est cuit en fait, presque. Un peu sur le dessus, voilà, là c'est un peu cru. On va le laisser encore. Allez, allez vite, ça commence à bien cramer en fait. Le feu est un peu fort. Hop. Alors c'était pas ce que je m'attendais au départ, mais je pense qu'on est pas mal. Au moins on aura un repas, c'est parti à table. Attention. Ah, c'est bien humide encore dedans. Waouh. Et bah écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Avant de manger, pendant que ça refroidit, on va déterrer l'autre pour voir ce que ça donne. Parce que c'est con de gâcher de la nourriture, on va le refoutre au feu sinon. Ah, c'est pas facile par contre à déterrer. Je le trouve plus. Bon. On va voir ce que ça a donné celui-là du coup. On a un peu de terre. On y est bientôt. Ouais, c'est cru. Ça a cuit légèrement quand même, hein, regardez, mais malheureusement pas uniformément. Allez, on va le remettre. Donc les braises et la terre ça marche, ce qui marche au mieux c'est qu'il fallait mettre des braises sur le dessus, je pense qu'on aurait une cuisson uniforme, c'est ce qu'on va faire là. Hop. Et on va vraiment l'entourer de braises cette fois. La technique marche mieux comme ça, on aura une vraie papillote. Hop. J'ai perdu un pantalon, mais au moins j'ai gagné un repas et une nouvelle technique. On va goûter. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut se laver les mains avec de la cendre. Alors on va goûter direct déjà le poulet, hein, regardez-moi ça. Recette il tire sur la chaîne, ça manque un peu de gras. Bon appétit. Waouh, le poulet, il a goût de fumée, de plantes, de bardane, de sauge. C'est super bon. Wow. Alors ça croustille un peu, il y avait un peu de terre, mais c'est un délice par contre. Voilà, j'ai trouvé comment faire un régime. Ça a goût de vraiment fumer, comme si on l'avait fait fumer. C'est bien resté humide dedans, hein. Regardez les courgettes, elles sont pas sèches, vraiment. Bon appétit. Alors les courgettes ont goût de bardane, c'est marrant. Par contre du coup ça donne un goût amer qu'il n'y avait pas dans le poulet. Ça c'est dommage parce que les feuilles de bardane sont vieilles parce qu'on a pris des grosses feuilles et du coup c'est comme les racines, elles sont amères quand elles sont vieilles. C'est assez problématique parce que du coup ça je l'avais pas prévu, vous voyez c'est pas très bon. Donc les légumes c'est surtout la viande en fait dans les feuilles de bardane. Alors c'est bizarre que la viande n'ait pas pris le goût mais les courgettes ouais. La racine de bardane elle a pas cuite, c'est très long à cuire. On va regarder le centre. Oh. Alors pas du tout cuite malheureusement, donc pas dans ce type de cuisson. La fleur de carotte qui a pris la sauce. Alors intérêt gustatif, c'est juste un peu amer par contre, mais c'est très bon. Les carottes qui sont un peu dures. Ouais, on avait pris des carottes trop vieilles et... Ah putain. Ah, j'ai pas les dents des hommes préhistoriques. On a tout perdu putain, ça fait chier. Elles étaient trop vieilles. En fait, là il y a une jeune carotte. Regardez, il faut les ramasser comme ça en fait. Là elles sont vraiment tendres. Et la petite sauge au poulet. la sauce c'est bon. Waouh, elle a un goût incroyable par contre. Elle a bien gardé l'humidité, toute la sauce, tout. Waouh, j'en mets de la sauce souvent, mais c'est super bon. Vous voyez, c'est incompréhensible. Il y a de l'amertume dans les courgettes, mais pas dans la sauge. C'est très très bizarre la cuisson. Bon, du coup, on va regarder la bonne technique. Mais pour premier bilan, c'est top pour la viande. On met des trucs pour parfumer, mais les accompagnements, quand ils sont trop près de la feuille, ils prennent un peu l'amertume de la feuille aussi. Ça, c'est dommage. On va goûter du coup la feuille. C'est ça. L'amertume vient de la feuille. Alors elle est légère, hein, mais je sais pas pourquoi elle a pris toutes les courgettes. Très bizarre. Allez, on le sort. Alors malheureusement, on l'a laissé un peu trop longtemps, du coup, le temps de manger. Ah, au moins c'est bien cuit. Ah, olé. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. Les gars, il a fait 10 km, il a sorti le barbecue. Alors. Waouh, alors là, c'est vraiment... c'est encore mieux que là, je vous dirais. Regardez, c'est top. Ça a bien bien cuit. Vraiment. Et ben voilà, hein, plutôt réussi. Alors, il y a un peu de terre. Alors, bonne nouvelle, sur cette technique, la cuisson n'est pas du tout amère. On a fait une technique pullante. Je pense que la feuille avait cramé dans l'autre. Et du coup, la fumée noire, tout ça, ça avait donné de l'amertume à la courgette. Voilà, belle cuisson. On va se laisser, du coup. Ouais. C'est moins fumé. Donc que de la viande, vous mettez direct sur les flammes pour avoir un truc bien fumé, bien bon. Papillote avec légumes dans les braises. Je suis content qu'on ait réussi, je compte sur vous pour faire péter un bac de pouces bleus. Vous trouvez pas que j'ai une voix de commentateur de foire? De ouf. Merci Marie. Pour continuer sur la bardane, ce qu'on fera, c'est que je vous montrerai comment rendre de l'eau potable avec de la bardane. Et au niveau de la cuisson, ce que j'ai envie de faire, c'est d'attaquer vraiment des gros morceaux en mélangeant cette technique et la technique de la boue pour faire par exemple un poulet entier. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, faites des papillotes dans la nature et à bientôt, ciao!